Attendez, mais là pour moi ça passe tous les jours. Hein. Digne rival pour les persos endurance uniquement. Ouais, bref, la team elle a aucun sens. Allez, petit mode burst pour burster un petit coup. En team digne rival, double piccolo endurance. Je me demande si on va trouver de la difficulté ou pas. On aura la réponse bientôt. Ça part, pas gamin. Et je voulais. Mais y a pas gamma 2, j'ai beaucoup hésité, hein. J'étais à ça de le prendre en vrai. Donc vraiment à pas beaucoup, hein. Ça dit t'arrêtes de faire ton clochard et tu mets 2-3 spé dans le tour parce que... Tu sais, y en a, ils ont sommeil sur le stream, ils ont envie de dormir. Hein. J'ai pas toute ma vie à passer sur le Goku Rush en fait. Ça dit tu fais le kill et tout. 820 000? Alors, est-ce que Vegeta MF, on a envie de le jouer avec le Piccolo? Bah non, hein, on va le jouer avec Tenshinhan, avec qui il y a quand même 4 liens en commun, mais what the fuck? Guerrier Z, guerrier vétéran, jugement serein, combat acharné. Mais attends, mais il va avoir beaucoup de def là quand même, mon Piccolo. C'est que le début, c'est pour ça qu'il est à 179 000. Regarde ma team de SDF. Comment vous critiquez ma team? C'est pas une team d'SDF, hein. Ma team, elle est légendaire, c'est juste que pour l'instant, on n'en voit pas encore le plein potentiel parce que c'est des diesels, c'est tout. Double SP, double SP, double SP. Il y a une légende qui dit que si vous parlez à vos cartes, elles vous écoutent. Pouah, comme il est beau, Tenshinhan. Waouh. Oh, mais il y a le petit C17 MV Pax. En vrai, est-ce que je m'en foutrais pas un petit peu, quoi, d'avoir le virus dans la route? Ouais, mais il stack l'attaque à l'infini de mémoire, lui. J'ai une bonne mémoire? J'ai une bonne mémoire. Comme ça, arrivé à la phase intelligence. Le ten, 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 ten. Double SP, double SP, double SP. Pas sur celle-là, mais sur la prochaine. Attention, regardez bien. C'est la mi-leader. La mi-leader, il a du mal à comprendre. Pourquoi Beerus, il a que 2 millions? Pourquoi C17, il est que à 1,5 million? Et je crois qu'il y a des persos, ils sont restés bloqués en 2017, hein, sans mauvais jeu de mots. Bien sûr, je me fais enculer. Super. On se tape des barres ici, dis donc. Ça se trouve, je vais perdre, en fait. On va arriver sur la phase de Migat et puissance. Et... Mais double SP, non? Et je vais mourir. 1,7 million pour ces 17, c'est pas si mal. Écoutez, moi, je ressors d'un showcase où on vient de tester un Yamcha free-to-play et il démarrait à 7 millions. Je suis un peu choqué, là. Je parle pas de la marque de céréales. Prochain tour, je suis curieux de voir la valeur de défense de mon Piccolo. Est-ce qu'il va avoir le support de ces 17 MVP? On a la phase SLJ3. Ce qui est fort, par contre, c'est que vu qu'on a la détection de spé, en soi, même sur la phase de Migat et puissance, on sera pas tant de danger que ça. Claquer les whisk à partir de ce moment-là. Sur la phase int, on n'aura pas le problème des avantages, ce sera tout le contraire même. Oh là là. Ah, quand un ZTUR pour Beerus? Quand un ZTUR pour Vegeta? En fait, tous les personnages qui ont pas des valeurs de fou, c'est comme par hasard ceux à qui il faut leur donner un ZTUR. Ok, ici, on avait dit que j'étais curieux. 426 000. Mais non, la timidité de Goku SSJ God, il s'est dit, sur cette phase, je balance pas de spé, pas une seule, que des auto-attaques. Le C17, il a... Ouais, mais sur la JAP. On s'en fiche qu'il a un ZTUR sur la JAP, on joue sur la glow. Après, plus la run elle est longue, plus les persos ils stackent, mais ils stackent tellement doucement. Il me fait tellement de la peine ce Piccolo. Ouais, il me fait tant pitié. Ouais, il stack vite, Beerus. Attendez, il faut que je le laisse slot 1. Il faut qu'il prenne une attaque pour avoir des grosses valeurs. C'est parce que je le joue en slot 2 qu'on le voit pas briller, mais... Si je le laisse slot 1, il démarre à 10 millions. Je vais vous montrer le tour d'après, vous allez voir. Vous êtes juste pas prêts, hein. Que des rageux sur ce stream. Regardez bien, Beerus, hein, le prochain tour. Vous allez voir. Ah, bah, je l'aurais bien laissé, mais le problème, c'est que vu qu'il prend pas d'auto-attaque au début, il y a pas d'intérêt, du coup, je vais devoir... Prendre un stack avec le Piccolo à mi-leader. Mais prochain tour, prochain tour. Après, le problème, c'est que si je le laisse en première position et qu'il prend une auto-attaque, il va one-turn toutes les phases. Et la vidéo, elle va se terminer trop vite. J'ai pas envie que la vidéo, elle se termine vite.
Normal, quoi. J'ai un peu chié sur le plateau, non? Un peu. À force de vouloir jouer trop vite. Alors, reprenons là où on s'en était arrêté, du coup. On était bien parti pour ça. Ensuite, j'avais fait ça. Et ensuite, j'avais fait ça. Ouais, c'est exactement ça. Pas d'attaque spéciale de balancer de la part du Goku SSJ Blue français. On va pouvoir bien encaisser les auto-attaques sur ce Piccolo, mais pas sur l'autre, par contre. Celui en dernière position, je pense que les trois auto-attaques, là, il va bien les déguster. Je commence déjà à pleurer, parce que je sais pas comment je vais prendre, en fait. Ah, 60k, ça va! Ah, en plus, il esquive! Mais quel roi! Non, il est trop fort, en fait, ce Piccolo. Incroyable! Ah, en vrai de vrai, je l'aurais vraiment laissé en première position, mais vu qu'il prend l'aspect, c'est trop dangereux dans ce scénario. Mais le prochain tour, je le mettrai en première position, peut-être, le Beerus. On les verra, hein, les 10 millions de valeurs d'attaque, mais pas tout de suite. Après, après. Combien de valeurs de def? 467 000, on a le Dokkan Mode qui régène sur le tour. Pas besoin de claquer un item pour moi. Qui a eu peur? Non, mais non, je vous pose... Qui a eu peur, là, de prendre des dégâts? Faut vraiment ne pas jouer à Dokkan Battle depuis longtemps pour penser que j'aurais pu prendre des dégâts, hein, ici. Oh, dites-vous, il a 3 millions sans prendre l'auto-attaque. Imaginez la situation quand je la prendrai, l'auto-attaque. Est-ce que pour flex, on peut regarder la valeur de dev de mon Piccolo Nolocopy? 700k, quasiment. Putain, c'est nul. Bon, le kill a été fait... Beerus, Beerus! Oh putain, fais chier quoi. Là, je vous jure, je laisse l'autre 1, mais le problème, c'est qu'il prend pas d'auto-attaque au début, en fait. C'est ouf, hein, quand même. Je donne tout, hein, mais jamais j'arrive à faire ce que je veux. À croire qu'il est trop timide, en fait, ce petit Piccolo, là. Ce Beerus. On va rester en no item. On va voir combien il prend en no item, là, Beerus. 12 millions en crit, putain. Oh, l'auto-attaque à 25 millions. Alors qu'il était même pas boosté. Il tanque les autos en plus. J'aurais dû lui laisser tanker l'aspect à ce stade-là, en fait. Hein. Oh! Oh, le Vegeta SSJ Blue! Pouah, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Dommage que du coup, tu pourras pas nuquer. Je suis vraiment abattu. On est à combien? 600k dev. Bah, c'est largement suffisant, un goal transformé maintenant. Ouais, goal transformé. Pouah, quel voix. Quel charisme. On va faire nuquer Tenshinhan. Donc là, il a à peu près, je pense, 800k def. Là, Piccolo, ici, doit pas être loin du milliard. Et le Vegeta, il part en sp... Oh non, Vegeta, il part même pas en sp... C'est lui qui a changé tout le plateau. C'est à lui que, normalement, ça revenait tout le ki. Il part même pas en sp au final. Oh, c'est dégueu. Oh, putain de merde. Bon, j'espère mon Piccolo, il va carry, par contre. Hein. J'espère tu quintuple spé crit, là. Que le prochain tour, je suis mort, sinon. Oh, crit, la vie de moi. S'il te plaît, Piccolo. Envoie toutes les grenades lumière que tu veux. Rends-le aveugle, si tu veux, mais tue-le. Voilà. En vrai, c'est pas mal. Ça aurait pu être pire, hein, franchement. Ok. Oh, Vegeta MF, mais non. Qui a dit qu'il partait pas en SP? Que des menteurs sur ce stream. Bien sûr, il part en SP. En plus, il tanque les autos. Alors, ici. Ça. C'est bon. Merde, j'ai misclick. Ah ouais, désolé, il fallait que je le mette slot 1, Beerus, my bad.
Ah, j'ai joué trop vite, désolé. Putain. Et ouais, en plus, c'était le meilleur moment là pour laisser slot 1, mais juste j'ai misclick. J'ai pas fait. Oh non, c'est vrai, il peut esquiver. Oh non. Ouais, non, par contre. C'est un peu chiant ça, par contre. J'aurais préféré qu'il esquive pas, quoi. Regardez comme il est fort, Beerus. Il tank les autos, hein, il a pris que 100k. 100k quand t'as 600 000 HP, franchement. C'est quoi, un sixième? Hop là. Hop là. On a combien plus sérieusement? 831 371 de valeur défensive avec le Piccolo de classe super de type endurance. Version ZTUR niveau 140 spé 15. Fusionné avec le tout-puissant. Qui double spé pas, qui crit pas. Bah, je vais mourir. Bah super, bah il a niqué ma game. Bah d'accord. Waouh, putain, merci Piccolo. Heureusement qu'il était là, quoi. Non, là c'est une dinguerie. Oh, mais alors là. Mais non. Croire en l'âme des cartes. Dokkan Battle en fait. C'est ça qu'on aime sur ce jeu mobile. C'est que tout peut arriver. Voilà. Et ça fait le kill ou pas? Il a esquivé! Non! C'était pas lui qui esquivait, je crois que c'était Beerus qui esquivait Migaté. En fait, c'est Migaté, il a esquivé. Pourquoi j'ai pas active skill? Ça l'aurait jamais tué. Je suis sûr que ça l'aurait tué. J'avais une run, elle était incroyable. Genre, Beerus, il aurait servi à tuer à contre-type le Goku. Mais non, pourquoi vous voulez que je retire des personnages alors que tous les personnages, ils sont trop forts ici? Non, mais c'était sûr que je devais gagner sur cette run. Je sais pas pourquoi j'ai pas active skill avec le Beerus. C'est pas une team de Sekpa, ouais. Oh, vous êtes trop méchants, oh. Oh, cette team, elle fait 6000 points en burst mode, hein. Cette team-là, elle fait plus de points que la team puissance avec couleur que j'ai ramenée, ok? Mais les gars, cette équipe passe largement le burst mode 6000 points aussi, hein. Si j'avais active skill sur la phase de Goku puissance, je le tuais, la prochaine rota, j'étais en avantage type avec toute la team et c'était réglé le problème. Je le démolissais, en fait. C'est fou comment vous êtes médisants, hein. Retente pour l'honneur. Bah, prouve-le. Mais putain, vous vous forcez, là. Ok, c'est parti. Eh ben, je vais vous prouver que cette équipe, elle passe le burst mode en faisant plus de 6000 points.